Attention, avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous dire que je n'ai aucun problème avec PewDiePie, donc avec Monsieur Félix Arvid Hutch-Kahlberg, mais c'est normal que vous ayez posé la question parce que quand même, il y a pas mal d'éléments le concernant, mais vous inquiétez pas, ce n'est pas une vidéo de rage contre PewDiePie, c'est pas mon but. Voilà. Sur ce, passons à la vidéo, mais on vous l'a prévenu. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était GF et on se retrouve pour un nouvel épisode de YouTube Theories. Oui, j'avais dit que c'était une vidéo normalement one shot, mais j'ai trouvé un autre sujet qui est assez intéressant. Car, comme vous le savez, sur YouTube, il y a un roi. Il s'agit de PewDiePie, qui a 39 millions d'abonnés au moment où j'écris cette chronique. Et la question que je me pose, c'est que lorsque je vois ces vidéos, je ne suis pas très intéressé. C'est pas vraiment mon contenu préféré sur YouTube, au niveau du gaming. Mais je comprends qu'il soit génial, qu'il soit bien fait, que tous ces bros l'aiment, etc., etc. Je comprends tout à fait, il n'y a aucun problème. Mais j'ai une question à vous poser. La question est la suivante. Que se passerait-il si PewDiePie n'avait jamais existé? Car possiblement, il y aurait peut-être quelques changements au niveau du gaming YouTube et au niveau de YouTube lui-même. Donc, on va voir ça dans le deuxième épisode de YouTube Theories. Alors, avant vraiment de parler de la théorie que je vais vous expliquer, on va parler un peu de PewDiePie pour voir qui il est. PewDiePie est donc un YouTuber de 26 ans qui s'appelle Félix Arvid Ulf Kjellberg et il est connu en tant que Suédois de base, mais maintenant il est en Italie avec sa copine Martia. Alors, ce qui est important à savoir, c'est comment est-il arrivé au niveau qu'il est actuellement, c'est-à-dire en fait en premier de YouTube. Mais avant vraiment de parler de ça, on va expliquer ce qui s'est passé au tout début de YouTube, parce que ça explique pas mal de choses. Car oui, au tout début de YouTube, il n'y a quand même pas les mêmes règles qu'auparavant, car YouTube au départ était une petite plateforme, donc du coup, ce n'est pas vraiment... Ils ont quand même changé pas mal les règles. Et les règles au départ, c'était lié aux vues. Si on avait plus de vues, on avait plus de possibilités à se faire, on va dire, reconnaître par rapport aux autres, à d'autres personnes. Et c'est le principe. Mais comme... Toute règle, il y a des gens qui ont réussi à la contourner un petit peu. Et c'est pour ça qu'ils ont dû créer une nouvelle règle en 2011. En fait, la règle qui a été faite au niveau des vues, en fait, a été un petit peu hackée par des gens qui mettaient en fait des fausses miniatures de gens qui étaient, on va dire, assez dévêtus. Mais finalement, que la vidéo n'avait rien à voir. Donc du coup, les vidéos avaient leur clic, donc avaient leur vue. Mais du coup, les personnes ne restaient pas longtemps sur la chaîne. Hein, sur la chaîne et sur la vidéo en elle-même. Et les YouTube, ils s'est rendu compte de ça. Et en 2011, ils ont décidé de changer un petit peu les idées. Alors, on est passé d'un système de vues à un système de rétention de temps. Alors, la rétention de temps, en gros, c'est le nombre de minutes que vous restez devant une vidéo d'une certaine personne. Et plus le temps de rétention est important, plus il y a de possibilités que la personne se fasse reconnaître. Et c'est un peu grâce à cette spirale positive, puisqu'en fait, c'est une spirale positive. En fait, lorsque tu gagnes plus de temps, tu gagnes plus de personnes. Donc, plus de personnes égale plus de temps, égale plus de personnes, égale plus de temps, égale plus de personnes, égale plus de temps. Enfin, je résume un peu. Mais si je vous conseille d'aller voir une vidéo concernant ce fait-là, allez voir la vidéo de Game Theory qui parle exclusivement de ce point-là. Et j'espère, je l'ai un peu expliqué, mais je pense que lui explique beaucoup mieux que moi. Donc, allez voir cette vidéo tout de suite si vous avez le temps. Ou plutôt, attendez la fin de la vidéo quand même, hein. Je le dis quand même. Mais bon, du coup, pour revenir à PewDiePie, donc champion de YouTube, il est maintenant en Angleterre, mais il était d'abord suédois, puis italien, avant d'aller du coup en Angleterre. Et vu qu'il parle anglais, il a pu s'exporter en dehors de l'Europe, puisqu'il était déjà connu en Europe, et donc en Suède et en Italie. Puis en Angleterre, mais il était déjà connu, enfin, à ce moment-là, il était déjà connu entre guillemets aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça que justement ça fonctionne, on va dire. La majorité des youtubeurs anglophones ont plus de chances d'arriver chez nous que la majorité des youtubeurs francophones arrivés de l'autre côté de l'Atlantique. Sauf bien sûr pour les Québécois, mais ça c'est parce que c'est différent. Mais dans le sens, pour moi, YouTube justement fait un peu. Voilà, c'est le principe, il faut être anglais pour réussir. Alors. Je dis pas méchamment, je dis si ça passe des gens, c'est souvent le cas. Mais il faut comprendre que être anglais, ce n'est pas le problème.
Parce que bon, il y a pas mal de youtubeurs anglais que j'apprécie, comme Michael Stevens The Wissos, comme Game Theory, comme par exemple Nicobi en version plus petite. Voilà, des petits youtubeurs comme Shogakonroy aussi, des gens qui sont sympas et qui sont hyper intéressants. Mais en parlant de PewDiePie, pour moi, PewDiePie, dans la majorité des vidéos, n'est pas un let's player. Alors, moi je suis un let's player, de base. Après j'ai fait quelques vidéos en dehors, que ce soit MBL ou LPL, ou même les YouTube Series que je vous fais aujourd'hui. Mais, pour moi, il n'est pas un let's player, parce que la majorité de ses vidéos ne sont pas son gaming. Oui, ça fait du gaming, ça parle de jeu, c'est du jeu, mais c'est des best-of de jeu. Et pour moi, ce n'est pas considéré comme du let's play. Un let's play, c'est quelqu'un qui fait un jeu de A à Z. Et justement, c'est un point important à comprendre avant de réellement de commencer cette story, car vraiment, on voit que la majorité des youtubeurs, les grands youtubeurs, sont en ce style-là. C'est-à-dire des youtubeurs qui font des petites vidéos best-of de leur partie sur différents jeux. Après, je comprends qu'il y a des gens qui aiment ce principe, qui aiment ce style de vidéo. Il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est plutôt un let's player qui connaît bien son jeu, qui m'intéresse plus que quelqu'un qui fait des best-of. Par exemple, en France, à part Cyprien Gaming, exempté, parce que Cyprien Gaming, c'est Cyprien Gaming, donc du coup, c'est avec Cyprien. Donc c'est en partie pour ça qu'il a gagné, que c'est la première chaîne gaming en France. Mais à part Cyprien Gaming, le deuxième, c'est Squeezie. Et il fait exactement la même chose que PewDiePie. Il fait exactement la même chose. Voilà, je trouve que PewDiePie est intéressant pour certaines personnes, mais pour moi, c'est pas vraiment le YouTuber qui m'intéresse le plus. Mais justement, la question que je pose dans cette théorie, c'est qu'est-ce qui se passerait si PewDiePie, en fait, entre guillemets, n'avait pas dominé le monde YouTube et en fait n'était pas vraiment là. Donc du coup, on va passer réellement à la théorie et je vais expliquer les points importants. Et donc maintenant, parlons de la théorie selon laquelle PewDiePie n'aurait jamais existé, en tout cas dans un monde parallèle. En 2011, YouTube fait la même règle qu'auparavant, c'est-à-dire qu'elle passe d'un système de vue à un système de rétention de temps. Alors, en sachant que les premiers à l'époque, c'était Smosh. Donc Smosh, Yann et Anthony. Donc du coup, ces deux personnes font des vidéos une fois par semaine. Des vidéos très courtes, 3-4 minutes, mais des vidéos bien scriptées, etc., etc. Et d'un côté, par exemple, t'as des gens comme Shogakonroy, qui fait des vidéos de 20 minutes par jour, ou par 2 jours, concernant différents jeux, en les faisant très bien. Et ben justement, il aurait réussi à monter plus haut grâce à cette règle. Parce que, en fait, la règle fait que les majorités des youtubeurs qui ont fait ce genre de principe de vidéos courtes, mais très très. On va dire, il y a beaucoup de vidéos par jour, par semaine. C'est comme ça qu'ils ont réussi. C'est comme ça que justement YouTube et le gaming a réussi à monter. Donc, PewDiePie à l'époque. Et justement, la question que je me posais, c'est qu'est-ce qui serait passé si des gens comme PewDiePie ou des gens comme ça n'avait jamais existé. Je pense que des gens comme, par exemple, Shogakonroy, ou par exemple, les Runaway Guys, exemple aussi de Game Grumps, la première version de Game Grumps, bien sûr, la première, pas la dernière. Il y a pas mal de youtubeurs aussi comme Game Theory, par exemple, comme Peanut Butter Gamer, ou d'autres personnes de ce genre, qui seraient réussi à monter parce que justement, pas rien pour les PBG et Game Theory, mais je veux dire les vidéos gaming un peu let's player réguliers auraient réussi à monter plus haut. Le problème, c'est qu'il y aurait quand même eu des chaînes comme ça, comme YouTube, comme PewDiePie. De toute façon, on n'aurait pas. Je pense que ça a aussi un peu aidé, on va dire, à la globalisation du gaming autour du monde. Cette possibilité d'avoir les vues, enfin, de changer de vue à durée de temps. Et c'est comme ça qu'il y a pas mal de youtubeurs qui se sont lancés. Moi, je me suis pas lancé à cause de ça parce que j'avais pas prévu au départ de faire ça. Moi, au départ, je voulais faire des trucs totalement random et puis après, je me suis dit bon, je vais faire du gaming parce que j'ai envie d'en faire du gaming et j'avais des jeux que j'avais envie de faire. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais pour moi, c'est comme ça que ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'il y aurait quand même des chaînes qui seraient montées. Donc toutes les chaînes auraient monté. Peut-être certaines auraient dépassé possiblement les chaînes, notamment Minecraft à l'époque aurait pu dépasser si. On aurait pu dépasser sûrement les 2-3 premiers youtubeurs à l'époque. Ça montre qu'il y a quand même pas mal de youtubeurs qui ont dépassé maintenant Smosh. Mais je pense qu'il y aurait eu quand même un nouveau champion de YouTube.
Parce que même si j'adore ce que font Yann et Anthony de Smosh, pour moi c'était un peu inévitable qu'ils allaient perdre leur première place dès que le système de rétention de vue, enfin de rétention de temps plutôt, a été institué. Donc de toute façon ça n'aurait pas changé grand chose. Mais après, à savoir aussi que lorsque TulipA a commencé sa chaîne, il a réussi à avoir du following, notamment en Europe. Et c'est vrai que je pense qu'un let's player européen aurait réussi à monter plus haut. Parce que même si les let's players américains arrivent certains à traverser l'Atlantique, c'est quand même assez rare qu'il y ait de petits youtubeurs qui arrivent à ce niveau-là, c'est-à-dire en fait à traverser l'Atlantique. C'est rare qu'ils arrivent à traverser l'Atlantique, sauf bien sûr pour certaines personnes qui arrivent quand même à monter un peu plus parce qu'il y a des règles. Mais je dirais que la majorité d'entre eux auraient eu du mal. Donc du coup, ce serait plutôt un let's player européen qui serait arrivé en première place. À savoir qui, je ne sais pas. Est-ce que ce serait Jacksepticeye? Est-ce que ce serait d'autres personnes? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées. Mais voilà, je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose sur l'histoire de YouTube. Mais ça fait penser à un truc, à un point important. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo de départ. C'est par rapport au Let's Play. Parce que certains disent que le Let's Play est mort. Non, le Let's Play n'est pas mort. Pour moi, le Let's Play a toujours sa vie. Toujours des personnes qui arrivent à faire des bons Let's Play, bien commentés, bien faits. Parce qu'ils arrivent à ajouter des choses, de la plus-value. Par exemple, Shoka Conroy, pour donner un exemple concret, a fait sur ses Pokémon XD et Colosseum des dessins de différents Pokémon qu'il voulait utiliser, ainsi que certains éléments qu'on ne savait pas sur les Pokémon, notamment les Pokémon Shadow, donc les Pokémon Ombre, du jeu donc XD, XD donc, et du coup et Colosseum. Et donc, il a réussi à faire des bons trucs avec ses Pokémon, avec ses jeux Pokémon. Et c'est vrai que malheureusement, je trouve que c'est un peu pas vu par rapport à d'autres. Et pour moi, je trouve que des gens comme Shoka Conroy qui expliquent bien ces jeux ont vraiment la possibilité de faire de bonnes choses. Moi, je fais du let's play sur Ace Attorney par exemple, parce que j'ai envie de faire connaître la série Ace Attorney, parce que j'adore la série Ace Attorney, j'ai quasiment tous les jeux. D'ailleurs, je vais acheter sûrement un dernier livre dans quelques jours. Mais voilà, je trouve qu'il y a pas mal de trucs que j'adore sur Ace Attorney et je veux montrer à quel point cette série est géniale. Et même si ça fait pas beaucoup, bah voilà, je me dis, ça me fait plaisir. Et moi, je trouve que justement, c'est en se spécialisant maintenant qu'il faut réussir, enfin, en se spécialisant entre guillemets, qu'on réussit à se démarquer. Par exemple, un youtubeur que j'apprécie tout particulièrement, c'est Nikobi. Il a 50 000 abonnés, mais il fait des let's play uniquement que sur visual novel type. C'est en fait vraiment quasiment que des visual novels, notamment tout ce qui est Ace Attorney, les Danganronpa, etc., etc. Et il fait que ça. Et c'est génial. Pour moi, c'est... Voilà, je trouve qu'en spécialisant, on arrive à avoir plus de possibilités. Alors après, c'est moi qui le pense, parce que moi, je le pense depuis pas mal de temps. Mais dire que le Let's Play est mort, c'est mort. Ça n'a pas de sens. Parce que même si PewDiePie et les gens comme ça sont premiers sur YouTube, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui n'apprécient pas le travail que fait Nikobi ou que fait d'autres personnes. Et donc, voilà. Donc, voilà, on va s'arrêter là pour cette YouTube Theories. Un peu plus longue que la dernière, je sais, mais bon. C'était bien, c'est parce que c'était un point important et puis je voulais expliquer pourquoi PewDiePie était premier et qu'est-ce qui serait passé un petit peu, mais de toute façon je pense qu'il n'y aurait pas eu grand chose de changer, mais voilà, c'était important quand même de se poser la question. Et puis du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de partager, d'aimer et de commenter, j'ai vraiment apprécié le retour qui s'est passé sur le premier épisode, c'est pour ça que je fais ça une série régulière, à savoir régulier dans quel sens, j'en sais rien encore, mais on va essayer de faire ça assez régulièrement. Et donc sur ce, on se retrouve bientôt pour de nouvelles théories. Proposez-moi d'autres dans les commentaires. Allez, sur ce, on se retrouve pour une nouvelle théorie bientôt. C'était GF. Stay tuned for more theories.